Salut les amis! Alors voilà, Arlette, elle voulait absolument un Duster. Ça fait 5 ans qu'elle voulait un Duster. Et puis je me suis planté, j'ai acheté un Sandero il y a 5 ans. Bon, c'est la même base, ça reste une Dacia, mais bon, c'était pas exactement ça. Alors là, bon, bah, au bout de 5 ans, elle voulait absolument son Duster. Alors je me suis permis de lui acheter une Audi TT. Voyons voir sa réaction. Arlette? Oui? Duster? Voiture? Dans la rue? Hein? Voiture, Duster, dans la rue? Tu m'as acheté une voiture? Ah oui? Quand? Bah, t'avais pas de tournoi en fait. Allez, dans la rue. Et tu sais que je me suis demandé ce matin comment t'étais parti? C'est une blague, il n'y en a pas. Ah là là, il faut être un peu créatif, hein, je vais pas tout te montrer. Je mets des Volvo. Peut-être dans la rue d'à côté, là. Non, depuis jeudi. Ah bon? Ouh, c'est pas par contre. Depuis jeudi, vous me l'avez pas dit? Ah, c'est pour ça que je te dis, je comprends pas, papa est parti comment? Bah oui. Tu l'as acheté, putain. C'est un diesel ou un essence? Une essence. Fais-moi un peu ce bruit qui ronronne. Alors la clim, il faut la recharger. Ouais, c'est ça les fenêtres. Dans les trucs qui déconnent, il y a l'autoradio à changer. Ah. Et la... Non. Oh, t'es gentil. Il faut appuyer comme ça, pour reculer. Attends, j'ai galéré à trouver la marche arrière. Ouais. Par contre, putain, ça change carrément, c'est super bas. Hein. Faut s'y habituer. Ah, elle est trop mortelle. J'ai fait au moins 400 bornes avec. Ah ouais? Ouais, ce matin, je dis, je comprends pas. Il est pas parti en monoroue, il est pas parti en rampe. Et après, je me rappelle que t'avais été chez tes parents. Alors, je me suis dit, il a dû aller chez ses parents, prendre la voiture de ses parents.